Nous, sur Saint-Quentin, on a décidé de proposer un village de 3 semaines, donc du 19 juillet au 6 août, avec un vrai équilibre entre les activités sportives, les activités culturelles et certaines activités libres. Tout se déroule dans l'espace événementiel, donc qui est l'ancienne piscine à vagues. C'est un espace de 4 hectares entièrement plein air et entièrement clôturé et sécurisé. L'Acrobranche, qui est gérée par l'île des loisirs. À la voile ou canoë en fonction de la météo, à l'équitation et aussi aux petites activités qu'on a, mini-golf, course d'orientation, balade énigme. Donc ça, c'est les activités gérées habituellement par l'île de loisirs. Et ensuite, on vient rajouter toute une panoplie d'activités qu'on n'a pas du tout l'habitude de mettre en place. Et là, on aura du rugby à 5, du beach handball, du basketball en 3 contre 3. Donc ça va être la nouveauté de cette année puisque ça va être une discipline olympique. Et sur les activités dites plus culturelles, on aura des initiations aux gestes qui sauvent. On aura une exposition sur les Jeux Olympiques. Concrètement, on a déjà prévu la distribution de petits goodies qu'on va essayer utiles et qui ne soient pas simplement des petits objets à jeter. Et effectivement, quelques mini-événements. On pense déjà à des concerts, on pense à une séance de cinéma de plein air avec le film sur Jesse Owens, pourquoi pas. Voilà, on va vraiment marquer ces 10 ans avec quelques mini-événements en début et en fin de village.